Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je viens juste d'être témoin voilà, d'une attaque. Il y a des morts partout, il y a du sang partout. Et je ne sais pas. Oui, écoutez, là, je ne sais pas du tout comment, ce que je dois faire. Nous sommes officiellement en cellule de crise, ça vient de démarrer. On nous informe qu'une explosion vient d'avoir lieu dans le métro. Oui, bonjour, Christophe Quintel, direction de crise au CDCS à Paris. J'aimerais parler au directeur de crise à Paris, s'il vous plaît. Nous confirme l'attentat, nous assure qu'elle ouvre une cellule de crise ainsi qu'une cellule de réponse téléphonique. Pour l'instant, on n'a pas l'information concernant cette personne. Est-ce que vous pourriez votre nom et votre prénom, madame? Ouais. Nous avons ouvert la salle de réponse téléphonique et la cellule de crise. Donc, ça, il faut que ça apparaisse dans le point de circulation également. Le fait qu'à 7h, nous n'avons pas d'informations sur les éventuelles victimes françaises. J'aimerais pouvoir voir tous les chefs de pôle dans la salle de réunion à côté. Immédiatement, ainsi que dispatch, assistant de crise et coordinateur. Ça veut dire que je me log, et moi je suis logué, je vais pouvoir les mettre dans l'organigramme et après on va diffuser l'organigramme. Très bien, donc le premier point effectivement c'est de mettre en place un organigramme de crise. Tu maintiens également la main courante, tu nous précises minute par minute ce qui se passe, à quel moment on ouvre, à quel moment on ferme, à quel moment on a tel ou tel incident. On nous annonce qu'elle a ouvert une cellule de réponse téléphonique, il nous faut donc en ouvrir une nous aussi. Présente dans l'armée à l'aéroport de. Quelqu'un le téléphone à. Ce sont des dépêches AFP non vérifiées, mais attaque terroriste en cours en centre-ville, alarme de guerre, et deux hommes armés à l'aéroport de. Effectivement, je vous confirme qu'il y a une attaque en cours qui se déroule juste devant la gare de. Les forces de police sont en cours de déploiement. On est en train de mettre en place un dispositif de confinement. Sous-chef de pôle, je confirme qu'à 15h, on se retrouve. L'Élysée veut un point de situation à 15h10. 15h, nous nous retrouvons. 15h05, nous rédigeons le point de situation. 15h10, nous le diffusons. Julie Robert, BFM TV. Je vous appelle concernant les nouvelles qu'on a sur l'attaque à. On voudrait savoir s'il y a des Français qui sont concernés, quelles infos vous avez qu'on pourrait diffuser. Attaque terroriste, alarme de guerre en cours dans le marché. Donc je rappelle le CDCS pour essayer d'en savoir un peu plus. Oui, fusillade. C'est une dépêche de presse, nous n'avons pas confirmation. Nous avons ouvert deux sessions CriseNet. Pour l'instant, pour j'ai un recherché à localiser. Et pour. J'ai une personne recherchée. Nous essayons de recouper aussi bien au consulat qu'à l'ambassade et sur les réseaux les indications que vous nous envoyez avant de décider d'ouvrir une cellule de crise. Il y a beaucoup trop de choses, faut que tu fasses très très vite. C'est trois phrases, dès que je voulais te pointer très vite. Un contexte, des actions menées, un bilan victimaire si tu as. Juste en récapitulatif chronologique, donc vers 13h50, un premier attentat à la ceinture explosive sur la station de métro, avec 53 blessés, 10 décédés. Donc là, on a des victimes françaises à. On est bien d'accord. Ce qui signifie que la priorité des équipes projetées, c'est bien. Là, j'essaye de joindre sur son portable, il répond absolument pas. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez s'il y a des Français dans ces attentats? Nous sommes confrontés à de nombreux événements. Je veux un tableau avec, en entrée, les événements, le nombre de morts, le nombre de blessés, français d'un côté et d'autres nationalités de l'autre. La cellule de crise, c'est un mécanisme interactif dont la crédibilité se mesure à l'aune des réponses qu'elle peut apporter. Du secours qu'elle peut apporter, soutien psychologique, mais rassurer, parfois malheureusement aussi transmettre de mauvaises nouvelles, mais renseigner sur la situation des proches, sur la situation des personnes recherchées, ou donner des indications, donc répondre aux questions du public.